Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer un compte Google FRP sur Samsung. Vous venez de récupérer un appareil Samsung d'occasion réinitialisé et vous ne parvenez pas à supprimer le compte associé à cause du Factory Reset Protection. Tout d'abord, téléchargez, installez et lancez ForYuKi pour Android. Ensuite, connectez votre Samsung à l'ordinateur via un câble USB. Cliquez ensuite sur Supprimer compte Google FRP, puis sur Supprimer. Patientez quelques instants pendant l'envoi des données à votre Samsung. Voici les différentes étapes que nous allons suivre pour supprimer le compte Google associé à votre Samsung. Sur votre smartphone, cliquez sur Afficher. Puis, sur Non merci. Dans le navigateur, entrez l'adresse www.tenorshare.com/frp-file, puis cliquez sur Entrée. Cliquez sur Télécharger à côté de bypassfrp.apk. Cliquez sur Continuer, puis Autoriser. OK, Ouvrir, Paramètres, Activer l'autorisation depuis cette source, revenez en arrière et appuyez sur Installer. L'application est installée, appuyez sur Ouvrir. La page des paramètres de votre appareil s'affiche. Cliquez sur Données biométriques et sécurité, Autres paramètres de sécurité, épinglez les fenêtres, activez-le, appuyez sur Utile type vert pour décrocher, appuyez sur Modèle, Continuez, choisissez un modèle et mémorisez-le, cliquez sur Continuer. Ressaisissez le modèle choisi pour confirmer. Revenez en arrière. Sur votre ordinateur, cliquez sur Terminer. Le compte Google a été supprimé avec succès. À présent, redémarrez votre Samsung. Vous pouvez déverrouiller votre Samsung avec le schéma que vous venez de configurer. Une fois déverrouillé, cliquez sur la flèche bleue, acceptez les conditions et cliquez sur Suivant. Cliquez sur Ignorer pour l'instant, puis sur Suivant. Suivant, patientez quelques instants. Cliquez sur Ignorer, puis sur Ignorer à nouveau. Suivant, Plus. Acceptez, OK. Patientez quelques instants. Cliquez sur Suivant. Ignorez. Terminez. Acceptez. Voilà, vous pouvez désormais accéder à votre Samsung et l'utiliser. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos.